Ogni vino necessita di una vinificazione. L'élaboration de chaque vin doit suivre une vinification optimale pour pouvoir mettre en valeur les caractéristiques du raisin. Et suivant le résultat à atteindre, l'élevage sera différent. Il y a des durées d'élevage courtes qui sont destinées aux vins qui doivent être consommés rapidement. Dans ce cas, on vise à mettre en avant la fraîcheur et le caractère agréable du vin. Il existe par contre des durées d'élevage plus longues, destinées à apporter au vin davantage de corps, une structure plus marquée et plus de rondeur. Les élevages courts peuvent avoir une durée allant de quelques mois jusqu'à 6 mois environ, tandis que l'élevage de durée plus longue ira de 6 mois jusqu'à plusieurs années, soit dans le chai, soit en bouteille. Suivant l'élevage que l'on veut appliquer, il existe des contenants différents. Par exemple, l'élevage en cuve d'acier est généralement utilisé pour des durées courtes dans le but de conserver la fraîcheur et les arômes. Caratteristiche di freschezza, quindi di odori, profumi tipici del vino che devono essere appunto preservati. Diverso invece l'affinamento in legno, che sia un legno piccolo, quindi una barrique, oppure un legno grosso, quindi una botte in legno. L'élevage en fût ou en barrique est différent. Il s'agit d'élevages dans lesquels le vin va subir une maturation différente. Les senteurs se modifient. Elles gagnent en intensité et en finesse, en perdant en fruité, mais en apportant des notes épicées. Du point de vue organoleptique, le vin perd son caractère anguleux qui est créé par les tanins et les anthocyanes et gagne en rondeur. Ammorbidirsi ed arrotondarsi. La vita del vino non termina quindi con l'imbottigliamento. L'évolution du vin ne termine pas avec sa mise en bouteille, puisque, au cours du vieillissement, il continue sa maturation. Il est vrai que la bouteille de verre et le bouchon constituent un récipient clos et plutôt inerte. Mais étant donné que le vin est un liquide vivant, il a la possibilité de s'améliorer, d'évoluer et de changer au cours de son vieillissement en bouteille. Di migliorare, di evolvere e di cambiare nel tempo all'interno della bottiglia. Quindi importante avere anche qui una tappatura con un tappo giusto. Le bouchonnage est également un aspect important. Qu'il s'agisse d'un bouchon technique, d'un bouchon monopièce ou d'un bouchon N plus N à rondelle, le bouchon doit permettre la meilleure conservation possible du vin dans la bouteille.